Ok, allô. À chaque fois que je commence à filmer en français, je me doute. J'ai tellement pas envie d'essayer de parler en français. Oh mon dieu. Ah! J'ai l'impression que je parle vraiment mal. Fait que ça, c'est québécois. Donc, c'est pour ça. J'espère que ça va pas être horrible. En tout cas, l'accent sort déjà. Vous allez devoir vous habituer si vous êtes français. On n'articule pas nous. Donc, ça va peut-être vous déranger. J'espère que non. Aujourd'hui, je me prépare pour aller oh mon dieu. Ça me stresse tellement de parler en français. Arrête. Ah, oh, je suis ridicule. Pour aller chiller. Comment on dit en français? Je sais pas, pour aller me promener, pour aller manger avec mes amis. J'ai envie de me faire un maquillage funky, quelque chose que je ferais pas d'habitude. C'est ça, on se prépare ensemble, je vais vous parler. Oh mon dieu! Juste puisque je viens de prendre ma douche, je vais mettre ça dans mes cheveux. C'est huile somptueuse pour les cheveux par Voir Hair Care. Je sais pas comment dire, Hair Care, soins de cheveux. Je mets genre 3 pompes. Puis je combe. Je vais juste le mettre partout dans mes cheveux. Ça sent tellement bon. J'ai l'impression que ça rend mes cheveux plus soyeux, plus doux. Plus soyeux. Plus soyeux, plus doux. C'est vraiment insane. J'adore ce produit. C'est le seul vraiment produit que je mets dans mes cheveux après les avoir lavés. J'ai beaucoup de gens qui me demandent qu'est-ce que je fais pour mes cheveux. Je fais absolument rien sauf laver. Je les lave le moins souvent possible parce que je trouve que si tu les laves souvent, ben, ils deviennent gras vraiment plus rapidement. Alors que si tu attends plus longtemps entre chaque lavage, tes cheveux vont rester plus propres plus longtemps. Donc c'est ça. C'est sûr qu'une fois qu'ils commencent à devenir gras, je suis pas capable. Fait que je les lave. Mais sinon, c'est ça. J'attends le plus longtemps possible. Puis je fais un petit peu de revitalisant, mais j'aime vraiment pas ça. Le revitalisant, je sais pas pourquoi. Mais j'adore l'huile. C'est pas mal tout ce que je fais pour mes cheveux. Ok, là on va faire un petit maquillage. Je vais commencer par juste mettre ça sur mon visage. C'est un genre de spray. Comment on dit en français? Un push-push. Aucune idée. Pour le visage, je fais ça avant. Je fais ça avant de me maquiller, juste pour hydrater mon visage. J'ai pas vraiment de lotion hydratante pour le visage. J'aime juste pas mettre du moisturizer sur mon visage parce que ma peau absorbe en 2 secondes toute la crème. Puis après ça, j'ai la peau sèche. Alors que si je mets pas de crème, ma peau reste belle pendant plus longtemps. Je sais pas, c'est peut-être juste une théorie. Oh, puis s'il faut que je m'hydrate le cou plus. Je veux pas genre mouiller mes joues. Faut pas oublier le cou. J'ai tellement négligé mon cou longtemps, puis là j'ai des rides. Mais j'ai toujours eu des rides, mais est-ce que ça me casse les couilles? Oh, tu sais ce qu'on va faire? On va se mettre un peu de crème solaire, puisqu'il y a un petit peu de soleil dehors. J'utilise Koula écran solaire classique FPS 50. Et c'est un hydratant et c'est thé blanc. Je me mets genre sur les joues, sur le nez surtout. Puis un peu sur le front. En fait, partout. Mais surtout nez joues, c'est là que je brûle. Ben c'est là que tout le monde brûle, ton nez sort de ton visage. Donc nécessairement c'est là que le plus les rayons tapent. Je me brûle 24/7, puis c'est vraiment mauvais. Ensuite, je vais laisser ça sink in, puis je vais faire du eyeliner. Aujourd'hui j'ai envie de faire un look funky. Donc j'ai volé le, comment on dit en français, le... C'est quoi? J'ai aucune idée. Le eyeliner de ma mère, noir. Puis on va essayer de faire un wing. Oh mon dieu, je prie que ça va être beau. Je pense que j'ai fait ça une fois, c'est tout. Donc si c'est laid... Ah! Ok, ok. Non, c'est f***ing dégueulasse. Oh my god, j'ai pas d'aide. Ok, en fait, c'est vraiment, vraiment pas si pire. Arc. Ok, non, j'ai vraiment pas d'aide. Oh! Ça, c'est vraiment mieux. Donc, ce que je fais, c'est que je dessine une ligne, puis je fais comme un triangle. Ok, attends. Assez de temps. Non, non. Chic. Je suis vraiment chic. J'ai aucune idée si c'est beau, en fait. Du coup, et comment mon accent français? Faut que j'y travaille. Oh, okay. Comme la beauty guru que je suis, on va enlever ça, c'est dégueulasse que j'ai fait là. Une chanson en tête. Si vous êtes comme moi, puis vous faites jamais votre maquillage, vous êtes pas très bonne, vous devez vous acheter ça. C'est solution micellaire démaquillant. C'est un life changer. Surtout récemment, je commence à me maquiller plus parce que je trouve tellement le fun d'expérimenter, d'essayer de nouvelles affaires. Puis je rate tout le temps, obviously. C'est genre mes premières fois. Je commence là, avec mon maquillage, donc il me faut ça. Ça enlève ton maquillage en 2 secondes, puis tu peux juste recommencer. Je suis probablement en train de dire des trucs que vous savez déjà. Mais moi, je savais pas. Parce que j'ai jamais vraiment été into make-up. Oh, fucking dead. Oh mon dieu, j'ai fucking dead. Oh my god! Pas si pire, honnêtement. Aussi, il faut considérer que j'ai aucun miroir, genre proche de moi. Je suis juste à 5 pieds de mon miroir. Ok, dead. Ah! Puis là, ce que je vais faire, j'étais avec mon amie hier. Elle avait des genres de trucs, genre ici, puis ça agrandissait ses yeux. C'était fucky. C'était insane. C'était tellement beau. Donc, je vais essayer de faire ça ici. Ah oui, ce que je pourrais vous montrer plus, mais c'est parce que je me fais pas confiance dans ce miroir. Genre, je sais pas. C'est pas un miroir. Je pense que j'ai juste zoom sur mon œil. Ah là, on voit qu'il est pas parfait, parfait. Hein. Ok, bon. Ah! My bad. C'est flou. Oh mon dieu, je suis vraiment... Ça paraît que je suis fatiguée.
C'était comme ça. J'ai fucking dead. Gars, je suis vraiment pas super en maquillage. Moins dead. C'est beau. C'est quand même sick. Ce que je pense que je vais faire aussi, c'est que je vais apporter mon eyeliner un peu par-dessus. Mais paupières. Puis lui, j'ai raté un peu, ça me gosse. Ok, whatever. J'arrête. Ça sent bien. Ça sent bien. Maintenant, on va faire le mascara. Oh fuck. J'aurais dû me curl. Ah, plutôt. Merde. J'ai l'air d'un signe. J'ai peur que ce soit pas sec puis que je vais tout fuck up. Très vraiment mon genre. Je m'en vais me promener avec mes amis. J'ai aucune idée qu'est-ce qu'on va faire. Je pense, moi j'ai faim, fait qu'on va aller manger. Je vais les forcer. J'ai hâte vraiment aller au parc. Oh, j'ai un petit cheveu. Là, on est vendredi. Je commence l'école lundi, mais je viens d'apprendre que pour les 3 premières semaines d'école, il n'y a aucun cours en vraie vie. C'est tout en ligne. Je sais pas pourquoi, ça me rassure un peu parce que j'étais un peu nerveuse de retourner à l'école. Je vais à une grande ou grosse, je sais jamais. Une grande école. J'étais pas tant down d'être avec tellement de gens parce que, ben, je sais pas, c'est sketch un peu. C'est tellement désagréable. Oh, arc. J'aille ça quand je fais ça, puis ça le fait au milieu de mes cils. Fait que mes cils sont fucking laids. Ok, pas super. Whatever, honnêtement. Puis là, j'utilise du mascara Clarins Paris Wonder Mascara 4D Perfect, whatever. J'ai jamais essayé ce mascara. Non, on va l'essayer. Je suis curieuse. Mais ouais, c'est ça. Donc, mes 3 premières semaines d'école sont en ligne. Je sais qu'il y a tellement de gens qui sont juste tellement tannés d'être en confinement. Puis ça, je comprends, moi aussi. Comme j'ai hâte de pouvoir sortir avec mes amis, puis de rencontrer du monde, de socialiser avec du monde différent, whatever. Mais c'est plus le retour à l'école que le fait d'aller à l'école. Je sais pas comment expliquer, mais je pense à comment je suis quand il y a de l'école. Oh mon dieu, genre, je suis tellement pas bien, j'aime tellement pas l'école. J'ai pas envie d'être une autre personne qui dit « Ah, c'est l'école, j'aille ça. » J'adore apprendre, j'aime avoir des bons résultats à l'école. Puis je pense que c'est pour ça que j'ai tellement peur de retourner, parce que je sais que quand il y a de l'école, ça prend tout mon temps. Oui puis non, c'est plus que je mets beaucoup de temps dans mes études, puis après ça je suis tellement fatiguée puis j'ai envie de rien faire après, donc je reste chez moi, je fais rien, je vois personne. C'est vraiment pas une bonne chose, genre j'ai vraiment une mauvaise attitude. J'essaie de changer mon attitude parce que j'ai pas envie, surtout durant l'hiver, oh mon dieu, si j'ai pas. Mais tu vois, là je suis tellement négative, faut pas que je pense de même. L'hiver c'est genre l'affaire que je déteste le plus au monde, j'étais en pâte. Je sais pas comment je me sens par rapport à mon maquillage, honnêtement. C'est vraiment comme quelque chose que je ferais pas vraiment d'habitude, mais j'ai l'impression que c'est pas assez intense. Mais c'est sur la caméra qu'on voit pas, mais en vraie vie c'est genre shit. Genre j'ai l'impression que je me ressens pas vraiment. Ok, next on va faire un peu de... comment on dit en français? De blush. Faire à joue, aucune idée. Je vais juste prendre mon blush, je sais pas comment dire en français, de Milk Makeup dans la couleur, I guess, shade, j'ai aucune idée non plus comment dire ça. J'ai tellement illettré en français, ça a pas d'allure. Je vais juste le taper un peu, genre juste pour me donner un petit look. Je viens de me taper un coup de soleil. Ah, je sais ce qu'il manque. Il manque un rouge à lèvres, il manque quelque chose pour genre faire pop mon look, puisque c'est tellement genre noir blanc. En même temps, j'aime vraiment pas ça, mettre de la couleur sur mes lèvres. Je trouve pas que ça me va bien, mais j'ai l'impression que c'est ça qui manque un peu. Ratata! Ok, je pense que j'ai trouvé la bonne couleur de rouge à lèvres. C'est un genre de rouge foncé, mauve. J'ai l'impression que ça va vraiment bien aller avec ça. Alors, je mets pas de rouge à lèvres partout sur mes lèvres. En fait, je vais vous montrer ce que je fais. Je fais le contour de mes lèvres. Fait que je fais une ligne là, une ligne là, une ligne là, une ligne là, et là. Oh shit, fuck. Et une ligne là. J'ai pas d'aide là. Oh. Oh my god, c'est parfait. C'est vraiment concept parce que je fais un peu un look à la française, j'ai l'impression. Genre les yeux foncés avec une lèvre justement foncée aussi. Ça me fait penser aux françaises, je sais pas pourquoi. Et je parle en français en même temps, c'est tellement concept. Je vais rajouter un peu de fard à paupières, fard à joues. Je pense que c'est ça en français, j'ai aucune idée en fait. C'est Benetint. Je vais faire genre 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. J'aime vraiment ça, avoir le look des joues rougies. C'est tellement joli. Bon, ma soeur a brisé mon truc pour les cheveux, puis elle me l'a même pas fucking dit. Tellement fucking pas nice. Oh mon dieu, je suis en crise. Je pense que je vais le changer pour une chaîne un peu moins longue, parce que je suis trop long. Puis ensuite, je vais me trouver un sac. Et puis, on va avoir fini mon look. Je m'excuse à l'avance un peu pour mon vibe zen. Je suis pas très entertaining. Je suis vraiment désolée. Le sac, je crois que je vais porter ça. J'ai l'impression que c'est quand même sick. Oh! Et je vais porter mes low-rise docks avec plateforme. Je pense que ça va être vraiment sick. J'ai l'impression que justement mon outfit est vraiment simple. Fait que j'ai besoin d'un pop qui vient du sac. J'ai aussi genre mis des bagues. Je sais pas si c'est très beau. Ouais, je sais pas si j'aime les bagues.
Bon, pas grave. En tout cas, je trouve qu'on a bien fait. J'ai bien fait. Pas ce que je fais à l'habitude. C'est vraiment nice. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Encore une fois, je m'excuse. Je sais pas pourquoi parler en français, ça me demande beaucoup des fois. Parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas vraiment parlé bien français. Quand je parle avec ma soeur, c'est du franglais. Tight. Je pense que la moitié des mots que je dis, c'est des mots en anglais. Je sens une pression aussi, plus parce que si vous cliquez sur cette vidéo, vous êtes probablement français ou vous parlez français. Ou vous essayez d'apprendre le français, donc si je parle pas bien, ben je me sens fuck mal. C'est pour ça que je suis comme un petit peu stress, ou j'étais sous stress un peu dans cette vidéo. Mais là, j'ai réalisé que c'est pas si pire, puis je vais essayer d'en faire d'autres. En fait, dites-moi si vous aimez ça. Si Get Ready With Me en français ou whatever, juste si vous aimez ça, ben je vais en faire plus. Je vous vois dans ma prochaine vidéo. Je vous aime. Bisous!